Bismillahirrahmanirrahim. La foresterie, c'est une formation à recrutement national depuis plus de 10 ans. C'est une formation qui a pour objectif de former des cadres forestiers sur un programme purement forestier dès la première année. Elle est structurée en trois parties. La première année, c'est des sciences fondamentales, maths, physique, chimie, biologie animale, biologie végétale et autres. C'est qu'à partir de la deuxième année que l'étudiant commence à recevoir les premières informations sur les sciences forestières. Après, en troisième année, l'étudiant, cette année, sera chapeauté par un premier diplôme, c'est licence en foresterie, et le deuxième palier, a pour objectif de former encore plus l'étudiant sur des sciences forestières plus approfondies, sur des différents masters suivants, soit sur la protection des forêts qui s'intéresse sur les incendies, les maladies et les insectes surtout, ou bien sur l'aménagement et gestion des forêts, l'aménagement ou bien gestion des écosystèmes steppiques et c'est l'écologie, gestion et conservation de la biodiversité. Donc pendant les 4 années de formation, l'étudiant aura toutes les informations et les connaissances nécessaires dans le domaine de la foresterie. Qui pourra les affronter demain dans sa vie professionnelle, soit au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire la conservation, les conservations, les parcs nationaux, les réserves de chasse, les centres cynégétiques, ou bien les entreprises étatiques économiques du génie rural, l'installation des entreprises de développement, ou bien les entreprises de réalisation des travaux forestiers, ou bien certains étudiants donc, auront la chance de préparer un troisième diplôme de doctorat en foresterie qui va travailler soit à l'université, soit au niveau de l'Institut national de recherche forestière. Donc c'est une formation complète, c'est une formation qui répond aux besoins du secteur socio-économique. Donc, je souhaite donc, le bienvenue à tous les étudiants qui vont choisir cette formation et qui vont passer 5 ans plein de diversification d'activités pédagogiques, les cours, les TP, les sorties sur terrain, les stages dans le milieu forestier. Wassalamu alaikum.